ses enfants. Normalement, si. Non. Je parle. Ah non, moi je dors chez moi. Ah, elle parle quand même. Ouais, 17 km. Ah, ça va. Des filles, Céline Léonard qui arrive en compagnie de David Rayo. Baisse-moi cette vitre quand même, ouvre la porte. Fait que... Ouais, ouais, ouais. Céline, quand Stéphanie, deux femmes sur le podium, c'est fichu, elles écoutent pas. Je te laisse faire la photo, Steph. Mais mets-toi avec Philippe, hein. Vas-y. Sinon, Stéphanie L'Oignon, ça va bien? Impeccable. Elle est descendue de son trieur? Ouais, elle est venue. Elle est venue. Elle reste pas toujours là-haut. Elle va voir un peu la civilisation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Par contre, pour les photos, c'est un peu long. Hein. Ah, ben, les meilleurs copilotes que... Ah, je sais pas. Les deux sont bien. Bon, toi, ça s'est bien passé? Oui, super bien. Très bien. Merci David pour tous les conseils, merci pour l'assistance, merci pour pour tout le monde qui me soutienne. Merci Papa. Mais un gros merci. Tu vois, je regarde les voitures. Papa, mon Olivier Cordovado qui a abandonné. Ouais, donc je suis déçue pour lui et il reviendra. Bien sûr. Puis je rappelle qu'elle est commissaire, elle m'a tenu, j'allais dire la jambe, non. On est resté ensemble tout Mont Blanc pratiquement, hein. Voilà, en tant que commissaire. Agréable d'avoir des pilotes et des copilotes qui se mouillent parfois. David, on t'attend avec un drapeau jaune un de ces jours.